aucun qui n'est nominé pour le prix Marc Vivien Fouillé, destiné aux joueurs africains de la Ligue 1 française ayant disputé au moins 15 matchs dans la saison. Ce consultant sportif donne des raisons. Mais ce qui est à la base de ça, c'est qu'il n'y a pas de footballeur guinéen qui évolue régulièrement dans les clubs français, parce que ce prix, quand même, il récompense le meilleur joueur évoluant dans le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat français. Et à part Issiaga Silla, qui joue du côté de Lens, et même ça, ce n'est pas un joueur qui est intitulaire en tant que tel. Il n'y a pas un autre joueur guinéen qui évolue en tant que patron, en tant que titulaire, en tant que buteur, en tant que passeur, en tant que, si tu veux, patron d'une défense dans un grand club français. Pour ce consultant, l'absence des joueurs guinéens dans cette sélection est due au fait qu'ils n'ont pas une bonne figuration. Il faut être un bon récupérateur, il faut être un bon défenseur, un bon gardien de but. Si on n'a pas tout cela dans le championnat français, on n'aura pas de joueurs qui soient nominés dans ce prix, parce que ce sont, encore une fois, c'est un prix qui récompense les joueurs, les meilleurs joueurs africains évoluant dans le championnat français. Or, la Guinée est faiblement représentée dans ce championnat français. Le trio final de ce prix sera connu le 29 avril prochain à l'issue d'un vote effectué par un jury composé de journalistes spécialistes.